affronter les États-Unis. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu, Pierre. Oui, c'est une belle affiche. Tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. Les hymnes maintenant, celui de l'Angleterre et des États-Unis. L'Angleterre, inutile de le rappeler, c'est la patrie du foot. C'est là qu'il a été inventé. C'est donc normal de voir que les femmes y jouent aussi. Ouais, depuis 1921, il y avait déjà 150 équipes de féminines de foot. Et vous découvrez les joueuses anglaises retenues pour ce match. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. La composition américaine, tout de suite sur votre écran. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. L'ancien stade de Wembley a accueilli déjà ponctuellement des concerts de rock et des matchs de foot, mais le nouveau est encore plus polyvalent, Pierre. Oui, c'est bien plus qu'un stade de foot. On y joue évidemment des matchs de rugby, mais même du foot américain. Foot américain en Angleterre. Allez là. On s'approche de la zone de vérité. Le tir. Ah, un manque d'application. Mieux à faire, c'est sûr. Christian Press. Alex Morgan. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Alors le ballon est perdu. On s'approche du but. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Oh, de l'air pour la défense avec ce dégagement. Ce sera une touche pour les Américaines. Morgan Ryan. Donc c'est bien donné ça. Ah dommage, le manque de précision, c'était bien vu, important. C'est dégagé en corner. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le gardien qui dégage du point. Le ballon dégagé au large. Evan Klingenberg. Allez là. Oui, il a bien intercepté. Isabelle Christiansen. Ce ballon qui est intercepté. Ça part. Ouais. Attention. Oh, le poteau. Ah, ça peut amener un but. Le tir. Et ça y est, le but. L'équipe qui prend l'avantage dans ce match. C'est vraiment mérité. Au vu de ce qu'on voit depuis le début de la rencontre. Ouais, c'est la plus entreprenante des deux équipes. Celle qui cherche, celle qui tente, qui mène au score. Et c'est normal. Toutes les chances de marquer à cette distance. Tiens, regardez, on est dans le milieu pour apprécier ce but. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Stokes.
Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Désolé, Christiansen. Un ballon intercepté, mal donné, bien défendu. Un bon ballon d'attaque. Ouais, la bonne circulation du ballon. Ouais, la frappe. Ouais, bien taclé, mais ce n'est pas fini. De Stocks. Isabelle Christiansen. Ah, la passe n'arrive pas à dessiner. Jordan Knops. Oh, elle arrive. Ok, plongeon superbe. Les Américaines qui vont obtenir la touche. Christian Press. Ah ouais, bien défendu. Devin Stocks. Turner. Jordan Knops. Scott. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Kaylohara. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Mais c'est repoussé. Avec un tir. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. Et le but qui conclut cette action. But en deux temps. Un peu chanceux, certes, mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour le mettre au fond. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Scott. Dernier. On s'approche du but. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Scott. Ils ont mis Christiansen. Carré de ah, ça ne passe pas. Avec Nice. Voilà, l'arbitre qui a sifflé. Et gros plan sur des joueurs qui savent qu'ils ont réussi. Allez, on a pu se refaire une santé, se recharger les batteries. Ah, c'est reparti pour 45 minutes. Ellen White. Elle a peut-être une bonne occasion. Turner. Ah non, ballon perdu. Alex Morgan. Ah, la passe est interceptée, ballon est perdu. Isabelle Christiansen. On s'approche de la zone de vérité. Allez, Lloyd. Oh, la défense, là, bien vigilante hein, sur ce coup. Devin Stocks. Non, elle a été interceptée, cette passe. Ah, elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Concédé par la défense finalement. Allez, peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Ah non, c'est pas bien joué cette tête. C'est sûr qu'il n'y a que quelques centimètres entre le front et le dessus du crâne, mais à l'arrivée ça fait des mètres. Egan Klingenberg. Et bien l'intervention, changement de possession. La passe est interceptée. Attention à la frappe. Ah, c'est contré. C'est donc un corner pour les Anglais. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Elle va pouvoir tirer. Et oui, il y est. La remplaçante qui marque. Et l'entraîneur qui doit être satisfait de ses choix.
n'avait plus qu'à conclure, oui. C'était vraiment à bout portant. Ah, alors ça, toucher le ballon sans parvenir à arrêter, ça arrive à tous les gardiens et ça fait jamais plaisir. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Ça part bien, action dangereuse. Plus spectaculaire, c'est pas terminé, même si ce sera dur. Et c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Il remonte ce but. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Scott, à la belle qualité de ses passes. En 1-2. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, pas mal, c'est pas ça. C'est cadeau. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Alex Morgan. Christian Press. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Karim Carney. Farah Williams. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et on sent que l'entraîneur veut un jeu plus direct. Il a demandé à tout le monde de se projeter rapidement vers l'avant. J'ai cru entendre l'entraîneur dire attaque de folie. Ça sent le coup de poker. Attention contre. Stokes. Karim Carney. Ah là, il y a du monde, le gardien qui dégage du coin. Et la voilà la frappe. Ah, ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. Egan Klingenberg. 7 minutes. 7 minutes à jouer dans ce match. Farah Williams. Le tir. Ah, ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. Changement donc dans l'équipe anglaise. Kyle O'Hara. Carly Lloyd. Ah, la passe en profondeur, attention. Il y a peut-être une bonne occasion. Allez, 3 minutes, un bêta additionnel indiqué. 3 minutes. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Robert Smith. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, bon timing défensif. L'arbitre qui siffle la fin de ce match. Victoire 3 buts à 1. C'est bien. Allez, ça y est, c'est au temps final. C'est terminé sur cette victoire. C'était vraiment une demi-finale bien négociée. Mais attention les filles, c'est pas fini, hein. Il y a encore une finale.